Hey, coucou à tous. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec une toute petite vidéo. Donc ça sera un tout petit retour de course de chez Intermarché. Donc j'ai acheté des petites bricoles ainsi que quelques trucs pour manger. Et je voulais vous montrer, je me suis maquillée avec la palette de chez Action. Donc voilà ce que ça donne. Donc du coup, je vais vous montrer le retour de course. Donc de la marque Donna, j'ai pris le charolais bœuf emmental sauce burger. Donc c'est des toutes petites bricoles pour manger ce soir ou autre. Hop. Et il vaut 2,95. Ensuite, j'aime bien manger avec du pain, du riz au crabe. Donc là, j'ai pris de André Luçuin. Donc c'est fait en Bretagne. Et le riz au crabe, il est à 2,90 € pour 250 grammes. Donc voilà, c'est du riz au crabe. Ensuite, j'ai trouvé de la marque Pâturage. Donc la laitière Pâturage, donc de la marque Intermarché. C'est les pâturettes. Donc j'ai trouvé à la saveur Madeleine. Et ça vaut 97 centimes les 4. Donc ça vaut le coup et puis bah, c'est des dates très longues. Donc à tester, puis je vous en dirai des nouvelles dans les produits terminés. Ensuite, j'ai pris toujours de pâturettes, donc de pâturage, donc saveur cannelée. Donc toujours les 4,97 centimes, donc cannelée, à voir ce que ça donne. Ça ne doit pas être mauvais, donc à tester. Et j'ai découvert ceci aussi, c'est les Twix. Donc il y en a 5 x 2, donc 2 barres à chaque fois et 5 paquets. C'est nouveau. C'est des Twix avec une pointe de sel et du caramel. Derrière, ils disent biscuits nappage au caramel enrobé de chocolat au lait avec une pincée de sel supplémentaire. Donc du coup, j'ai pris 2 paquets. Donc à tester. Et ça vaut 1,99 les 5. Donc c'est à tester. Et puis je vous en dirai aussi bah, dans mes produits terminés ce que j'en ai pensé. Donc voilà pour mes petites bricoles de chez Intermarché. J'espère que ce petit retour de course, mini 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 retour de course, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et j'y réponds tout le temps. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!